Laisser le flot être. Nos peurs sont les résistances qui diluent la source vivifiante de nos joies. Y prendre conscience nous permettront de comprendre le paradigme qui nous fait être dans le reniement du soi, où celui-ci reste caché dans les rôles qui sont joués. Pour aller au-delà de cette activité qui limite l'esprit, le bien-fondé des barrières doit être perquisitionné par le doute afin que se dévoile la vraie nature du soi exprimer sa vraie nature est la chose la plus difficile qu'il soit pour la plus grande majorité car cela implique de se mettre à nu libre de toutes ses peurs cela engage une profonde sincérité où les illusions doivent être mises en lumière afin que soient perçus les mécanismes qui emprisonnent l'esprit étant donné qu'un esprit en proie à l'angoisse est la cause de la résistance qui empêche cette expression de couler librement la sincérité qui se dégage et l'essence de ton être, où existe cette nature vivifiante qui dévoile la beauté que chacun d'entre nous détient en son sein. C'est ce que tu tends à révéler au grand jour. Mais tes préjugés amplifient tes inhibitions, et tu ne t'engages jamais à être totalement toi-même. Pourtant, l'énergie de cette sincérité est en effervescence. Tu aspires à exprimer quelque chose d'unique, d'authentique, de vrai. C'est une énergie spontanée non calculée, et elle n'a rien à voir avec la pensée qui résonne et qui trouve les prétextes pour contrôler ta flamme. Pour exposer et résoudre tout le mal-être dans lequel tu as été envoûté par tes désirs d'aller mieux, tu dois te mettre à l'évidence pour voir où se trouvent les failles afin de bâtir de bonnes fondations. C'est ce qui te permettra d'aller au fond de toi, et indubitablement, tu toucheras quelque chose de solide. C'est en soi que se trouve ce que tu as besoin de savoir sur le mouvement illicite de l'existence. Personne ne pourra te donner ta joie d'être vrai. Elle doit être assimilée et ressentie par tout ton être. Mais l'idée que tu as de ce qui est sublime n'est pas une réalité, mais ce n'est que son concept, rien de réel. Cependant, avant que le regard depuis cette source puisse être la tienne, il est essentiel d'aller prendre conscience de la foule de mensonges qui falsifie ton champ de réalité, afin que tu ne tombes pas dans son piège. De plus, depuis des milliers de décennies, les pensées que nous véhiculons traduisent la réalité de ce que nous sommes à partir de l'idée de ce que nous devrions être. C'est en cela la cause de l'insatisfaction, la déception et le malaise de ne pas être vrai. Ce que tu aspires au plus profond de toi, et brimé par la peur de se mettre à nu ainsi celui qui ne cherche plus à se réconforter de son malaise trouve la grâce d'être authentique car accaparé par la course au désir d'être bien il y a distraction et inattention mais en restant lucide sans être distrait par l'activité à poursuivre le plaisir par lequel l'esprit s'embarque tu peux comprendre les leurs qui ont pour but de te faire renier la médiocrité de tes modes de vie pour la plupart, il y a cette insatisfaction qui est au rendez-vous. Elle attise le doute et donne la vitalité nécessaire pour creuser plus profondément en soi. De sorte que puisse être exprimée la sincérité du soi au-delà de toute illusion qui embrouille l'esprit par l'interprétation que tu te fais de toi. C'est par la crainte d'être vrai que s'acquiert la croyance des histoires que l'on se raconte sur soi. La sincérité de ce que l'on est meurt étant soumise à comment tu devrais être. Mais la vie qu'il y a à vivre ne se vit pas. Alors, ce que tu crois, c'est ce que tu pratiques à être selon la norme. Et cela t'empêche de t'impliquer dans une autre dimension qui te semble étrange et mystérieuse. C'est la peur d'être toi-même, vrai et sincère, la peur de ne plus exister à travers les acquis que tu as accumulés de tes expériences. Mais, au-delà de cette peur, qui nous interdit d'opérer librement, il y a cette profondeur qui est en demande de s'exprimer. Libérée, cette énergie a la capacité de détruire toutes les illusions que l'on se fait sur la réalité. Quand ce que tu crois être et ce que tu es ne sont plus en dualité, l'expression de la vérité de toi coule avec fluidité et grâce. Ce que tu crois être est l'activité du mécanisme de la pensée qui interfère avec ce flot. C'est le raisonnement qui a été acquis. Et qui ramène l'esprit à l'inconscience, où ne se voit plus la beauté qui existe, et où le flot de ta sincérité est tétanisé. Celui-ci stagne et perce sa vivacité étant en enfoui sous la somme d'histoires que tu te racontes et qui fait l'image de toi. La pensée applique la norme établie en dictant comment le tout devrait exister. Tu ne te permets pas d'exprimer des choses qui sont en dehors des limites de la compréhension des arrivistes tu t'appliques plutôt à ne pas bousculer les habitudes. Ainsi les limites sont gardées, et l'esprit ne s'évade jamais, sauf à travers l'illusion des histoires que la pensée fabrique, où l'esprit se projette dans son idéal. Ainsi le flux vivant ne peut être compris par un esprit attaché à son activité, où se déroulent les modes récurrents, mais un esprit vivace et détaché des préjugés ne prends pas compte de ces caprices que préconise la pensée. Quand le flot sort des entrailles de ton être, elle dérange, et si l'esprit s'identifie à ce qui est cru stable, c'est-à-dire à toutes les pensées qui contrôlent et qui s'activent à trouver une solution au problème de tes angoisses, tu seras retenu dans ce cercle vicieux qui fait référence à ton centre d'intérêt. Ce centre s'avère être l'abysse sans fond où se trouve la tourmente et la déception du désir. Quelle sera donc l'issue à nos propres activités de nous faire peur? Nous sommes si effrayés à ce que nous nous racontons, que nous suivons la norme établie, où se trouve la sécurité avec son habituel destin de solitude à l'intérieur de la carapace où se confine l'esprit. Ce sont les exigences que l'on s'est données qui nous rendent fébriles nous nous imposons tous ces concepts que la pensée restitue de nos vécus. C'est la propagande des croyances auxquelles nous nous obéissons qui rend l'esprit esclave d'une perception limitée. Ainsi, tes a priori te gardent victime de tout le système. Cependant, tu es le seul à pouvoir t'en défaire. Cela se passera aussitôt que tu auras vu la réalité de ce que tu es. Tu n'auras plus ce besoin de garder ces règles qui emprisonnent, car toute règle porte en elle le concept du bon ou du mauvais, du mal ou du bien, et provoque la peur que disparaissent ceux à quoi tu te réfères. Y adhérer fait de toi le dépendant de ce que tu en retires. Ce réconfort s'acquit par la connaissance de tes expériences à comparer ou à rejeter tout ce qui ne fait pas ton affaire. Toutes ces conclusions, héritages du passé, font de nous les gardiens de nos modes de vie, que nous entretenons par nos habitudes sous l'influence de la peur. Pour explorer la nouveauté, il nous faut casser ces conditionnements, qui font la propagande à travers ces schémas de pensée. Aller changer ce qui existe par l'idéal de ce que cela devrait être n'a aucun sens. Mais c'est de rester avec les faits et d'y faire face qui vont libérer l'esprit de ses peurs. Ne plus porter ton attention sur les nombreuses distractions fait naître un silence, de sorte que l'esprit se retrouve en paix. Étant dans cette quiétude, il n'y a plus ce besoin de s'identifier aux idées qui réconfortent, ou s'acceptent une vie dictée selon les schémas de pensée. Ce qui est à vivre est là. Tout ce qui n'est pas ta vraie nature est le rôle que tu joues. La vérité est déjà là, et personne ne peut la donner à personne. Elle ne peut être acquise comme un trophée que l'on gagne par un dur labeur. De par sa nature, elle n'a pas de commencement ni de fin. Elle est à la porte. C'est à toi d'en faire l'expérience. Dès que tu réalises, tu ne peux plus être emporté par l'illusion. Elle est ce que tu es quand tu laisses ce flot de sincérité couler de ton cœur. Pour arriver à bout de toutes les barrières que fabriquent les peurs, cela demande que ton énergie soit concentrée pour pouvoir observer au fond de toi, à travers tous les sédiments du passé mort, la réalité. Car, quand l'illusion qui a donné le désir de se soumettre au passé a été mise de côté, la vérité se révèle. Ce qui est véritable, le terriblement sincère, dégagé de tout rôle, de toute tricherie et de toute image qui ont pu être endossées, voit enfin le jour. Extraire l'essence de ce que tu es, et le mettre au grand jour, sans que son flot ne soit retenu par aucune résistance, cette faculté de transcender ses peurs pensées est la reconnaissance qu'elle est issue des histoires de ce que tu te racontes à toi-même, mais qui n'ont aucun fondement factuel. Vouloir être sincère avec soi-même commence le jour où tu réalises que tu joues le rôle du faux, et quand tu subis cette condition dans laquelle tu t'es mise, il y a cette envie remplie de passion pour la liberté. Le problème est que ton esprit est allé s'identifier à tes mensonges et que maintenant tu crois vraiment être ce que tu n'es pas. Quand tu réalises que tu t'es fait avoir, tu deviens responsable de ce que tu vas faire ensuite. Ton esprit s'assagit et maintenant il porte une grande attention aux pensées qui sont côtoyées. Il y a une prise de conscience de ce que tu ne voyais pas avant à cause de la distraction que tu voulais avoir pour ne pas faire face à tes peurs. Si tu ne prends plus rien pour acquis, si tu questionnes tes agissements afin de trouver l'action juste et ne plus être leurré par une stupide promesse, si tu fais le tour de chaque élément sans être influencé par les acquis du passé, alors tu connaîtras la réalité. Il n'y a pas de solution miracle, ce sera quand tu seras intéressé et curieux de savoir ce qu'il y a au-delà de la perception que la mémoire te restitue qu'il y aura cet engouement où tu seras prêt à tout pour être sincèrement toi mais si tu accumules ce savoir qui te fait rêver de ce que tu aimerais être tu rencontreras la déception de ce dont tu désires tu seras à la poursuite de ce que tu idéalises mais en réalité ta vie est de vaquer à entretenir tes privilèges la peur de manquer incitera l'esprit à rêver de jours meilleurs et à inventer la sécurité qui réconforte. Mais quand tu observes le désarroi qu'il y a, à poursuivre l'objet de tes désirs qui s'envole dans l'éphémère et crée ensuite ta souffrance, alors de toute cette attention peut naître une passion. L'art de te connaître naîtra où tu abandonneras la vie que tu rêves d'avoir pour te consacrer à ce qui est bien plus fondamental. C'est à ce moment-là que tu sentiras de tes habitudes monotones à errer sur les mêmes questionnements sans réponse. S'ouvrir à soi, c'est ouvrir les portes de la sagesse. Elle t'apprend le processus du renoncement à la vie que tu as acquise, Ou se pratique le mourir à soi, à ce que tu crois être, aux illusions que tu cultives et qui fait de toi ce que tu n'es pas. Il est question ici de descendre du haut du statut que tu t'es donné, où tu t'es identifié à cette entité qui s'active à des actes compulsifs incapables de beauté. Pour rencontrer ce qui est réel, l'illusion ne doit plus être une entrave. Il doit y avoir dépouillement de ce que tu crois être pour exister en tant que rien. Rien à quoi se raccrocher pour avoir réalisé que tout n'est que vanité et éphémère. Tout doit être abandonné afin d'avoir cette liberté pour percevoir l'infini. Alors l'expression de la vraie nature de soi sera une fontaine dans le désert aride.